Comment vous savez pour mon combat contre Chico? C'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'ils veulent t'aider et te payer beaucoup d'argent. Écoute bien, beaucoup d'argent. Si tu te couches au quatrième round. Quoi, vous rigolez? Non mais qu'est-ce qui vous prend, Don Casimiro? Respectez-moi, je vous ai dit que je suis un gars sérieux. Je veux pas avoir de problème, je suis sérieux comme gars, je vous l'ai dit. Écoutez-moi ça, je suis un gars sérieux. Je m'installe dans une maison et je paye même pas le loyer. Tout ce que t'as à faire, petit, écoute-moi bien, c'est de te coucher au quatrième round. Affaire conclue, c'est la solution à tes problèmes. C'est de l'argent facile. T'en dis quoi? On peut compter sur toi, Antonio? Ou alors tu dégages d'ici? Oh, Palenque! Hey, tu viens d'où comme ça? J'ai des super retours. On a le feu vert pour t'entraîner. Ah bon? Et qu'est-ce que ça peut te faire où j'étais? T'es de la police ou quoi? Attends une seconde et écoute. Legata veut que tu sois bien préparé pour ton combat contre Chico Gonzalez. Alors le patron me fait confiance. Et alors quoi? Tu veux redevenir un voyou ou quoi? Hey, non, alors... les histoires de rue, j'essaie vraiment de m'en éloigner le plus possible. C'est plus pour moi, mon frère. Tu sais quoi? Moi, je pense vraiment que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et les bonnes choses arrivent souvent pile au moment où quelque chose vient les salir. Et attends, comment ça? Tu veux dire quoi par « un truc vient les salir » ? Rien, mon frère, laisse tomber. Tu sais ce que c'est, on dit n'importe quoi quand on pense à plein de choses. Enfin, tu m'as compris. Mais ça te dit de t'entraîner ? Ouais, mais alors arrête de dire n'importe quoi, toi. Où est Edgardo ? Où est Attends, mon garçon, maman. Je le vois pas. Maman, Tanto ? Il faut le retrouver. Non, maman, il est là-bas en train de jouer. T'inquiète non, pas, non, rien non. de grave. Non, on doit aller le chercher. Je dois chercher mon garçon. C'est dangereux dehors, Non, tu sais. Ma petite maman, non. C'est dangereux dans la rue, maman. Justement, c'est pour ça, il faut sortir pour aller le chercher. Non, maman, il est parti. Il a quitté la maison. Donna Blanquita, qu'est-ce qui se passe, ma petite? Donna Blanquita, il faut que vous veniez m'aider. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé que ma mère est par terre et il n'y a personne pour la relever. Et moi, je dois aller chercher Tonio pour l'emmener chez le médecin. D'accord, petite, ne t'inquiète pas, calme-toi, rassure-toi, je vais rester auprès d'elle. Je vais la surveiller. Vraiment, Donna Blanquita? Oui, va chercher Antonio, dépêche-toi. Allez, vas-y en courant, en volant, petite. Une. Ouais, maintenant quatre. Allez, balance une droite. Hé, hey, regarde par ici, mon frère. Hé, hey, attends, mon pote. Julia, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tonio, tu t'es fait mal? Non, c'est rien. Mais tu fais quoi ici? Tonio, les choses à la maison vont de pire en pire. Edgardo est parti parce que Sambra veut le tuer. C'est pas vrai. C'est dingue, ce gamin n'en rate jamais une. C'est pas vrai. Il va vraiment me rendre fou. Tonio. Et maintenant, maman va pas bien. Elle dit qu'elle veut mourir. Tonio, qu'est-ce qu'on va faire? Eh, hey, mon pote, fais-moi une faveur, s'il te plaît, entre frères, essaie de comprendre que... On rigole pas avec les mamans, vas-y. Donna Blanquita, chut, ma mère chut, est... Baisse d'un ton. Chut. Elle vient de s'endormir. Chut, doucement. Comment elle se sent, Donna Blanquita? Doucement, petite. Écoute, j'ai parlé avec elle, j'ai essayé de la calmer, je lui ai donné une tisane et elle s'est endormie. C'est fini, ma petite, ne t'inquiète pas. On lui a donné les médicaments qu'Antonio a achetés. Oui, mais c'est que les médicaments ne la guériront pas. Ce sont de pures inventions des médecins pour qu'ils ramassent notre argent. Arrêtez, Donna Blanquita, vous y connaissez rien. Les médicaments font effet. Et Antonio, viens. Viens, on va parler. Écoutez, il y a deux catégories de maladies. Vous voyez, il y a les maladies qui sont du corps, et il y a les maladies qui sont celles de l'âme. Les maladies du corps sont bien connues par tous les médecins. Mais les maladies de l'âme, je les connais. Et je peux te garantir que ta maman, elle a une maladie de l'âme. Et moi, je peux la soigner. Donna Blanquita, est-ce que les maladies de l'âme sont aussi chères que celles du corps? Et Antonio, tu as de la répartie. Petite, va chercher un papier et un stylo pour que ton frère sache tout ce qu'il doit m'acheter pour que je la soigne. Écoute, on doit acheter de la cannelle. Donne-le-moi. On doit acheter de l'ivraie.
On doit aussi acheter quelques petites fleurs blanches. De l'eau bénite. Tu dois me trouver tout ça pour que je la soigne. Et c'est pour faire quoi toutes ces choses? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire à ma mère? Une guérison. Une quoi? Hein? Une guérison. Bon, vous n'avez pas besoin de comprendre. La seule qui doit comprendre, c'est moi. Parce que ici, la vieille, c'est moi. Allez, ramène-moi tout ça. Moi? Oui, monsieur, j'ai besoin que tu rapportes cette liste et après, on pourra faire la potion pour guérir ta mère. Mais enfin, Antonio, pourquoi es-tu toujours aussi incrédule? Hein? Ah, et alors, mon frère? Tu vas où comme ça? Tu t'es perdu? Non, mon frère, non. Et tu sais quoi, Palenque? Devine qui est là. Qui? Le champion. Il espère pouvoir s'entraîner avec toi, mon pote. Mince, c'est vous, champion. Quelle joie de vous revoir. Maintenant, Chico González, t'as qu'à bien se tenir. J'allais partir. Je vais te laisser un papier avec les instructions d'entraînement. Eh, ça fait vraiment plaisir de vous voir ici. On est enfin au complet. C'est pas vrai. C'est lui qui va te laisser des bosses parfaites si tu ne prends pas l'entraînement au sérieux. Écoute, Antonio, je vais te dire un truc. Écoute bien ce que je vais te dire, mon garçon. Le Chico González est un boxeur extrêmement doué, d'une grande dextérité. Et c'est pas n'importe qui. Moi non plus, je suis pas n'importe qui, et vous le savez, champion, c'est plutôt moi qui vais l'exploser et le casser en deux. Tu vas casser qui, toi? Tais-toi, tu vas casser qui? Toi, tu vas le casser en deux? C'est plutôt toi qui le va casser si tu ne te sers jamais de ta main droite pour te protéger les côtes et le visage. Parce que ça lui plaît bien au Chico González de frapper ici, il attaque souvent là. Dans les côtes, c'est ça? Évidemment. Écoute, ce que tu dois faire à ce moment-là, Antonio, c'est plutôt de te mettre comme ça. Tu donnes un crochet et après t'esquives par derrière. C'est ça que tu dois faire. Mais jamais face à face, ok? Alors, si je comprends bien... Non, Antonio, ne tourne pas la tête, ne la baisse pas, parce que sinon, tu deviens une cible facile. Oui, mais je commence à peine à apprendre, vous savez. Allez, on recommence. Je vais gérer. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Carlina, c'est pas des manières de dire bonjour, hein? Tu as vu à quel point Cacciao est généreux de venir jusqu'ici pour te pardonner? Me pardonner, moi? Manquez plus que ça. Bon, tu peux t'en aller, maman, on doit parler. Mais enfin, je ne vous empêche pas de parler, moi. Est-ce que tu peux nous laisser? Ne sois pas bête comme tes pieds. Ça suffit, c'est quoi ton problème? Écoute, Cacciao, je ne sais pas si la dernière fois n'était pas claire ou si les coups t'ont rendu sourd, mais je t'ai dit que je ne voulais plus rien avoir avec toi. Ça veut dire ne plus te voir chez moi, ni le jour, ni la nuit, point final. Va-t'en, c'est terminé! Mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? T'as même pas besoin de me répondre. Je la connais, la vérité. C'est à cause de l'autre Pecno, là, l'autre Antonio. Je ne tolère pas la violence. Je n'aime ni les coups ni les combats. Je refuse d'être mise dans cette position sous prétexte que vous voulez vous taper dessus. Ça suffit, hein? Pourquoi tu ne respectes pas ma décision? Ça suffit, je ne veux plus te revoir. Et encore moins quand tu chuchotes à l'oreille de ma mère. Tu sais quoi? C'est pas grave, je reviendrai plus jamais ici. Mais je te préviens que la prochaine fois que tu verras cet imbécile, sois prête à voir sa tête brisée en mille morceaux. Non, monsieur! Je ne permettrai pas que tu ailles le défigurer à coup de poing, non! Non, c'est pas moi! C'est pas moi qui me chargerai de lui régler son compte. Pas parce que j'ai pas de raison, mais regarde. Je vais te montrer celui qui va se charger de lui faire la peau à ce sale gamin verrou. Regarde un peu son visage, tu vois ce type-là? C'est le boxeur le plus dangereux de toute la Colombie. C'est lui qui va le laisser pour mort, alors regarde-le bien! Je te laisse. C'est pas vrai. Le point meurtrier de Carthagène monte une nouvelle fois sur le ring. Vous allez voir son... Antonio Cervantes! Roulia, roulia, roulia! Viens! Oh là là, viens ici! Regarde, tu vas t'évanouir! Regarde, qui c'est ça? Tu l'as reconnu? Antonio? T'as vu qui c'est? Tonio! Tonio, vas-y, prends-le, ramène-le à ta mère! Eh ben? Non, Pete, je peux pas le montrer à ma mère. Quand elle apprendra que Tonio va combattre ce monstre, ça va la rendre malade. Ouais, mince, il est vraiment moche, t'as raison. Bon. On va garder le secret, toi et moi. Que d'émotion, mon Dieu. Mais mon frère pourrait aussi perdre ce combat. C'est pas vrai. Tu penses vraiment que ton frère va perdre? Ton frère va le rouer de coups. Regarde la date. Regarde bien la date. Dans 20 ou 30 ans, ça vaudra de l'or, des diamants. Et qui est-ce qui aura ce journal? Moi. Que Dieu te bénisse, la Vierge t'accompagne, Reine Roulia, et salue ta mère pour moi. Souris. Réjouis-toi. Salut, Pete.
C'est pas vrai, Antonio. Ne baisse pas la tête, sinon ça fait de toi une cible facile. Tu crois que t'es encore dans un combat de rue à te baisser comme ça? C'est pas vrai. Orozco, attends un peu. Antonio, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu continues de baisser la tête quand tu donnes un coup, tu finiras toujours par te prendre un pain. Je t'ai dit quoi? Hein? Allez, arrête de faire cette tête-là, on se croirait à un enterrement. C'est pas vrai, ça? C'est parti. Fais voir. Hé, hey, champion, t'as un appel urgent. J'arrive, j'arrive. Écoute, tu fais exactement ce que je te dis. Tu donnes le coup et tu ne baisses jamais la tête, Antonio. Tu la baisses jamais. Allez, baisse pas ta garde. Qu'est-ce qui se passe, Legata? C'est ta femme. Allô, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ton amour? Rentre vite à la maison, ton père est très mal en point. Hé, hey, détends-toi un peu, tu vas bousiller le téléphone, nom de Dieu! Antonio! Comment ça va, ma beauté? N'essaie pas de m'amadouer, je suis toujours furieuse contre toi. Hey, c'est quoi cette attitude? Je pensais qu'on était en train d'arrondir les angles, toi et moi, non? Ni les angles, ni rien d'autre. C'est pour ta famille que je m'inquiète. Si jamais il t'arrive quelque chose, ce sont eux qui vont souffrir. Tu peux me dire ce qu'elle a, ma famille, s'il te plaît? C'est ça qui va les faire souffrir. Ah. Est-ce que tu as vu ce qu'ils disent? Bah quoi, tout ce qu'il raconte, c'est que je vais combattre Chico González, rien de plus. Ce qu'il dit, c'est que le type est pratiquement un assassin, Antonio. En tout cas, je trouve que je suis vraiment pas mal sur cette photo. Antonio, ce type est le plus dangereux de Cartagène. Et alors? Comment ça, et alors? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'affronter ce monsieur? Tu veux qu'il te tue ou quoi? Carlina... Écoute-moi. Si je ne combats pas ce type-là, celle qui va mourir, c'est ma mère. Alors c'est pour ça? Ma mère est gravement malade, et grâce au combat, je vais pouvoir me faire de l'argent pour l'emmener chez le médecin et lui acheter d'autres médicaments. Alors ça change les choses. Il faut que tu sois comme un chien enragé. Comme un chien, tu dis? C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire... Tu sais très bien ce que je voulais dire. Mais oui, je sais ce que tu voulais dire. Le problème, c'est que... Si j'arrête de plaisanter, alors je vais déprimer. Il faut profiter de la vie. Antonio... Je n'aime pas la violence. Mais comme tu le fais pour ta mère, tu as tout mon soutien. Alors, Casemiro, t'as pas encore réglé la situation avec le gars de Chambaku? Je t'avais dit que tôt ou tard, il allait nous donner une raison. Tiens-toi tranquille. Et merde. Regarde qui voilà. Il est là. Reste zen et regarde ce que je vais faire de ce bouilleux. Antonio! Viens par ici. Viens par là, jeune homme. Allez, assieds-toi. Comment tu vas, Antonio? Tu veux boire une bière? Bon, eh bien, puisqu'on est là, tu m'apportes l'argent ou tu m'apportes une bonne décision? Vous allez me payer combien pour l'arnaque que vous êtes en train de me demander? Je le savais bien, t'étais pas un petit imbécile. Écoute, c'est une simple affaire.
Tu tombes au quatrième round et nous, on te donne 300 pesos. 300 pesos pourquoi? T'es sourd ou quoi? Tu tombes au quatrième round et tu te relèves plus, c'est simple. D'accord, et vous me payez quand? Comment ça se passe exactement? On te donne rendez-vous ici même, on prend un verre pour célébrer, et on te donne ton fric. Non, je veux pas prendre de verre, je veux juste faire l'échange et puis basta. Bon, dans ce cas, ce sera sans le verre alors. Marché conclu? Je te l'avais dit ou je te l'avais pas T'avais dit que raison. Tôt ou tard, il allait dire un truc. Tu nous l'as super bien manipulé. Bravo. Santé. L'équipe est nulle et ça, c'est parce qu'ils ont pas pelé. Quel sacré joueur, Garincha. Vava, Didi et Amarildo. Un jour viendra où on aura une équipe comme ça, nous aussi. Hein? T'en penses quoi, Antonio Cervantes? Oh, où est-ce que tu vas comme ça? Comment vont les choses à la maison? Ça pourrait aller mieux, Pete. Et l'entraînement, ça va, ça se passe bien, non? N'est-ce pas? Dis-moi. Ouais. Vu ta joie, j'ai un peu de mal à te croire. Regarde. On va attends, apprendre. Pete. Attends. Quoi? Dis-moi, c'est lequel ton poing le plus fort? C'est les deux. Arrête. J'ai besoin que tu me frappes ici, juste sur la joue. Au menton? Ouais. Sûr? Allez, vas-y, frappe-moi. N'aie pas peur. Vas-y, frappe-moi, je t'ai dit. Et c'est si bon. Je te casse la mâchoire? Frappe, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu t'es imaginé, Antonio? Comment je suis tombé? Mal. Je suis tombé pour de vrai, mais est-ce que c'était une belle chute? Ça faisait vrai? C'était moche, mon pote. D'accord, mais est-ce que ça faisait vrai? T'es ma fou, chute, tu là. Tu pouvais pas faire plus faux que ça, Antonio. Merde, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu manigances? J'ai un problème à résoudre. Antonio? Il faut que j'améliore ma manière de tomber, sinon c'est foutu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Tonio, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Un encensement. À quoi? Une guérison. Toute une flopée, même. On se fiche de ce qu'elle fait, on doit essayer d'aider ma mère par tous les moyens, même celui-ci. Qu'est-ce que... T'as vu ça, Albertico? Le guichet est blindé, on va faire un bénéfice plus qu'intéressant. Écoute, viens. Je sais avec quel boxeur tu fais affaire. Mais mon poulain est vraiment aimé des gens, tu sais. Ah bon? Oui. Et en parlant de ton poulain, il est où ton Chico? Je l'ai envoyé se reposer, on aurait dit un fou. C'est un combat entre un âne ligoté et un tigre en liberté. Ton palinqué ne va pas tenir trois coups de mon poulain. C'est bien possible, ouais. Palinqué pourrait perdre, mais il tiendra le combat entier, tu verras. Garde espoir. Garde espoir. Tonio. Maman était exactement dans le même état avant que Donna Blanquita lui donne sa potion. Elle dort toujours? Oui, elle a dormi jusqu'à ce qu'elle pleure. Mais elle était exactement dans le même état. Moi, je dis que le truc de Donna Blanquita ne servait à rien. Julia, tu sais quoi? Malheureusement, dans cette vie, tout se rapporte à l'argent. Oui, et alors? Et alors? Alors, tu sais quoi? Je vais faire la même chose avec mon combat. L'argent. L'argent, Rubia. Pas besoin de jouer les comiques cette fois-ci. C'est pas ce boxeur-là qui va mettre fin à ta carrière. Il suffira simplement de trois petits coups et c'est tout. Et on rentre chez nous avec le butin. D'accord? D'accord. Tonio. Tonio, avec ce gars, tu dois rester concentré. Attaque fort, il tombera plus vite. Bim! Dans le menton! Oh, calme-toi, Pete! Mais je veux vraiment que tu gagnes. Dirais un vieux perroquet. Écoute, Antonio. Il faut que tu sois concentré sur le type. C'est clair? Concentration et attaque. Concentration et attaque. Compris? Et dis-moi, c'est laquelle la main meurtrière de ce gorille? Les deux. Écoute, t'as pas besoin de gagner.
on est sort vivant au moins. C'est tout ce qu'on te demande. Donne le bandage. Oh, c'est pas vrai. Fais voir l'autre main. Donne ta main, Antonio. Vas-y, donne. Je crois en toi. Antonio, tu veux pas être pauvre, je veux pas être pauvre, ta famille veut pas être pauvre. Allez, donne tout ce que t'as. Concentre-toi sur ses mains. Hé, hey, t'entends? Tu regardes quoi? Regarde-le lui. Vas-y, tu peux le faire. Toi, Antonio. Vas-y, rapproche-toi. Écoute ce qu'il dit. Rapproche-toi de lui. Allez, c'est parti. Souris, Antonio. Allez, Antonio, vas-y, c'est parti. Ouais, super ça, Antonio! Allez, va! Ah. Allez, allez! C'est ça, en scène, ouais. Super! Allez, le gars, là! Vas-y, vas-y! C'est vas-y. Ça, mon frère! Antonio! Hé, hey, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, là? Les gars, t'as fait quoi, là? J'en sais rien, moi! Hé, hey, Antonio, on était d'accord! Ne vous inquiétez pas, Don Pancras. Tout est arrangé, c'est bon. Alors, préoccupez-vous plutôt de l'argent que vous allez récupérer tout à l'heure. Imagine la fierté de ta sœur! C'est pas vrai! Mets-lui une gauche! Allez! Vas-y! Vas-y! Allez! Baisse pas ta garde, Antonio! Ne baisse pas! Qu'est-ce que tu regardes? Concentre-toi! Fonce sur ce malade! C'est ça! Concentre-toi sur lui! Concentration et attaque! Merde, mais ce jeune homme commence à m'inquiéter! Moi aussi! C'est n'importe quoi! Non mais c'est quoi ce combat? Merde! Allez, Antonio! Qu'est-ce que tu fais? Frappe-le! Antonio, mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-le, c'est pas vrai! C'est lui qui va regarder, allez! Regarde-le! Vas-y! Écoute-moi bien. Concentre-toi, t'entends? Concentre-toi sur lui. Tu restes sur lui. Tu le regardes, tu le fais sortir et tu le frappes, compris? Antonio! Là, là-bas, Antonio! Là-bas, vers lui, regarde-le! Regarde ce malade. Tu le regardes bien et tu le finis, t'entends? Finis-le. Hé, hey, mon frère, sers-toi de ce qu'on te dit. Mais qu'est-ce que tu regardes? Regarde-le, lui. Regarde-le. Allez, Tonio, là, là-bas, allez. Là-bas, là-bas, vers ce malade. Vas-y, vas-y. Allez, mon frère. Oh, je te jure. Ça va aller, t'inquiète pas. Allez, Antonio, termine-le, bordel, il a peur de toi, là! Allez, allez, allez! Des bordels! Non, mais c'est quoi, ça? Mais c'est pas ce qu'il a fait, lui! 3, 4, je t'ai pas touché! 5, debout, je t'ai pas touché, allez, lève-toi! Lève-toi! Allez, je vais avoir des problèmes, s'il te plaît! Ciao! Non! Je t'ai acheté pour ce combat, espèce d'idiot! Il en a absolument rien à faire, moi je te le dis! C'est pas vrai! Je devais me coucher au quatrième, relève-toi! C'est pas vrai, relève-toi! Tu te fiches de moi, t'es qu'un tricheur! C'est pas comme ça que ça devait se passer! C'est quoi ce délire? Tu vas m'expliquer ce qui se passe! Je sais pas ce qui se passe, moi je sais pas pourquoi il s'est couché, ce type! Tu vas me le payer, sale gorille! Tu vas me le payer! Tonio, viens par là! Viens par là! Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, je l'ai à peine touché! Tu sais quoi, mon frère? Tu viens de détruire ta carrière! Tu viens de la détruire! Et ça, personne va te le pardonner! Moi, je te jure que je n'ai pas touché! Ils vont pas te le pardonner! Tu sais quoi? Descends de mon ring! Descends! Tu mettras plus jamais les pieds sur un ring! Jamais! C'est pas vrai! Écoute, il faut que tu me crois. Qu'est-ce que t'as fait, Antonio? Il dit rien fait, il est tombé tout seul! Antonio Cervantes, qu'est-ce que t'as fait? Chico, que s'est-il passé? Hé, hey, t'as pas vu le coup ou quoi? Pambélé a eu de la chance, c'est tout.
Hey, Chico, je ne t'ai jamais vu autant satisfait de perdre un combat. Tu ne veux pas une revanche? Attends, tu rigoles ou quoi? Je serai jamais satisfait d'une défaite. Bien, c'était les mots de Chico Gonzalez, un boxeur qui offense et maltraite le journalisme. Et qui ne comprend pas que notre travail est d'informer toute la Colombie et le public. Julia? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es inquiète? Rien, maman, calme-toi, retourne te coucher. Tu me prends pour une imbécile, hein? C'est une mauvaise nouvelle que tu veux pas me dire? Non, ma petite maman. Où est Antonio? Je te préviendrai quand il sera là. Non, non, je ne... Viens, maman, viens. Non, laisse-moi, je veux pas dormir, je veux pas me coucher. Écoute, laisse-moi, maman. Laisse-moi, je vais faire à manger Antonio, il va pas tarder. Maman, je te préviens quand il sera là. Allez, couche-toi, sinon demain tu vas avoir du mal à te lever. Allez, va te coucher, maman. Tu me dis, hein? Oui, oui. Tu ne t'imagines même pas l'ampleur du pétrin dans lequel tu nous as mis, espèce de petit idiot! Mais monsieur, le truc, c'est que... Je veux pas t'entendre! Écoute, Palenque. Toi et tes petites fesses, vous pouvez faire un super chandelier. Mais ici, on ne rigole pas avec les affaires, c'est pas vrai! Le type m'a tendu un piège! C'est toi, Antonio, c'est toi qui as tendu le piège! Écoute, Palenque, on est arrivé jusqu'ici, toi et moi, c'est du sérieux! Laissez-moi au moins vous expliquer ce qui s'est vraiment passé, Antonio, les gars! Antonio Cervantes, tais-toi! Personne ne veut entendre ce qu'un tricheur a à dire! Abruti, fais-moi une faveur, sors d'ici et laisse les gants! Donnez-moi l'argent! Quel argent? Je te donne l'argent, moi? Non mais c'est pas vrai! C'est moi qui me fais avoir et c'est moi qui vont faire payer! Va-t'en et laisse les gants! Vous êtes qui, vous? Cristobal Roman, de Radio Costa. Bah tiens, il manquait plus que ça, c'est pas vrai. J'ai quelques questions pour le jeune boxeur. Y a pas de boxeur ici. Y a seulement un tricheur. En tout cas, lui, au moins, il va écouter ce que j'ai à dire. Tais-toi, Antonio. Sale tricheur! Maintenant, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé pendant ce combat. Hé, hey, attends, comment ça? Hein? En quoi est-ce que c'est de ma faute si cet imbécile a fait le malin et nous a démolis à Chico? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Hein? Tu nous as pris pour des imbéciles ou quoi? Je vais te dire ce qui se passe. Ce sale type était en train de se mettre de son côté, tu comprends? Le problème, c'est que je sais pas ce que je vais dire à ma femme maintenant. Rien à faire de ta femme, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Calme-toi, Casimiro, calme-toi. Oh, arrêtez là. Vous savez quoi? Je préfère perdre cet argent plutôt que de me créer des problèmes. Je me tire, c'est pas vrai. Écoute, Casimiro, écoute-moi. Hein? Prends exemple sur lui. Ne cherche pas d'embrouille là où il n'y en a pas. Je m'en fous de son exemple. Pancra est un imbécile qui a peur de sa femme, mais toi, tu vas me répondre. J'ai clairement entendu quand le Palenque a dit « Chico, tu peux pas te coucher maintenant, c'est à moi de me coucher au quatrième round !» Oui, oui, je sais, j'ai entendu exactement la même chose que toi. Et je comprends pas pourquoi El Chico s'est couché. Mais j'ai absolument rien à voir avec ça, d'accord? Vraiment, absolument rien. Je suis un homme de parole. Enfin, tu me connais. Moi aussi, je tiens ma parole. Et écoute bien ce que je vais te dire. Si jamais j'apprends que tu as fait des affaires sans moi, la prochaine fois, je ne serai pas autant amical. C'est compris? Amical? Tu crois que c'est amical? Non, mais c'est pas possible, tu vas la fermer! Très bien, je me tais, très bien, très bien. Très bien. Dis-moi un truc, Antonio. Pourquoi tu t'es vendu, hein? Je peux très bien comprendre que vous me preniez pour un tricheur, monsieur Cristobal. Ouais. Mais t'as vraiment pas la tête d'un tricheur. Ils t'ont payé combien? Quoi, vous pensez qu'ils m'ont payé, eux? Personne m'a donné un centime. C'est bizarre, parce que les gens ont entendu de ta propre bouche que tu allais te coucher au quatrième. Pourquoi t'as dit ça? Quoi, ça? Non, je me suis trompé, c'est tout. J'étais sur les nerfs. Et je disais que j'allais sûrement perdre au quatrième. Je sais pas pourquoi, les gens ont dû mal entendre, ouais, c'est tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est bizarre. Tout le monde s'est rendu compte de la triche. Le plus bizarre, c'est que c'était pas une simple triche. Il y a eu une double triche. Ça n'arrive nulle part ailleurs dans le monde, seulement en Colombie. Hein? Tu vas continuer de t'entraîner au gymnase de Legata?
Oh non. La vérité, c'est que c'est un piège à souris ici, donc... s'il ne veut pas de moi, alors j'irai voir ailleurs. Bon. Antonio, raconte-moi, pourquoi tu as décidé de devenir boxeur ? Le truc, c'est que ma famille est dans le besoin, vous voyez. Donc j'ai pas vraiment eu le choix, monsieur Cristobal. Je sais que je suis bon en boxe, c'est juste que j'ai pas eu la chance qui m'était due. Je vois. Écoute, Tonio. Quand tu partiras, vaut mieux que tu évites la porte principale. Sors par derrière parce que là-bas, c'est plein de journalistes qui ne vont pas être tendres. Merci beaucoup, monsieur Cristobal. Je sais pas pourquoi vous faites ça pour moi. Crois-moi, ce qu'il te faut maintenant, c'est un allié. Un ami même. D'accord ? Oh, Tonio. Dieu merci, tu es là. Carlina, je t'attendais pas ici. Ouais, je suis resté là. Il pleut des cordes dehors. Antonio, il y a beaucoup de monde là-bas. Et aussi un paquet de journalistes qui posent des questions à ce mal intentionné de Chico. Et ce type est parti ? Chico est parti. Mais c'est toi que tous ces gens attendent, Antonio. Non, Carlina, je veux pas voir tous ces journalistes ni les gens qui sont là-bas. Je veux pas de problème, on sort par là. J'arrive ! Entrez, entrez, les enfants. Est-ce que j'arrive au mauvais moment, champion ? Mon père vient de mourir, Antonio. Il est mort à la maison. Oh, champion, toutes mes condoléances. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. C'est pas vrai. Je suis désolé, Robayo. Merci, c'est gentil. Bon, ne nous mettons pas à parler de ces choses tristes maintenant. Raconte-moi comment s'est passé ton combat. Ah, le combat. Bien, champion, bien. Il s'est couché au second round, direct du gauche. Ne me dis pas que tu as gagné. Eh si, si, j'ai gagné. C'est super, ça. Mais maintenant, ce que tu dois faire, c'est de ne pas devenir trop confiant. Fais comme si tu n'avais rien gagné. Tu dois toujours rester concentré. Ouais, champion, ouais. Et Madame Belinda ? Elle est occupée, mais elle sera bientôt là. Tu m'as un peu remonté le moral avec cette nouvelle. Et je suis aussi bien content que vous soyez venu me rendre visite, ça fait plaisir. Arrêtez, champion. Si quelqu'un doit être content ici, c'est bien moi. Vous avez été bon avec moi. Comme un père. Vous pouvez compter sur moi si vous avez un problème, champion, vous le savez. Bon, alors, étant donné que vous me le proposez, cette nuit, on va le veiller et... demain, on l'enterre. Ah, comme le temps passe vite, tu te rends compte, champion ? Mais le plus tordu dans tout ça, c'est que... on fait des choses qu'on finit toujours par regretter. Hé, ma belle. Attends-moi ici, tu veux ? Je vais faire un truc que personne d'autre ne peut faire pour moi. Je reviens tout de suite. Chico González, comment tu vas ? Cristobal. Bah, comme tu vois, je suis en forme. Je t'ai dit que l'affaire était close, c'est quoi cette embrouille ? T'en as pas marre ? L'affaire ? Non, 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 ce genre de choses ne s'oublie pas si facilement, encore moins une double triche. Qu'est-ce que tu racontes ? Une double triche par-ci, une double triche par-là, tu te fatigues jamais, mon frère. Faut arrêter avec cette histoire. Je te l'ai déjà dit, Cristobal, c'est un combat qu'il a gagné, j'ai mal paré le coup, je me suis loupé, va pas chercher plus loin que ça. L'histoire est vraiment pas si compliquée. Non, j'imagine que non, mais tu sais quoi ? Ça va être compliqué pour toi de monter sur un ring une nouvelle fois. Les circonstances ont changé. C'est mieux que cela vienne d'un ami pour t'en parler, tu comprends ? Donc toi ? Et pourquoi pas ? Qui t'a dit qu'on était amis ? Laisse tomber. Chico, Chico, Chico. Écoute, mon ami, tu vas quand même pas laisser la gamine toute seule. Non, 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 écoute, cette bouteille est à toi. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Bienvenue dans mon établissement. Je vous ai commandé un verre de la part de la maison. Merci. Bah alors, tu dis rien ? T'as coupé la langue ou quoi ? Ou alors, tu es triste à cause de la mort du père de Robayo ?
Tu n'aurais jamais dû lui mentir. Je lui ai pas menti. Je lui ai juste pas dit toute la vérité, c'est tout. Antonio, tu as déjà perdu beaucoup d'amis. Tu dois faire attention à ce qu'il te reste. Et toi aussi, je vais te perdre. Je t'ai dit que je te soutenais. Je sais bien que tu fais ça pour ta famille. Mais il faut que tu dises la vérité aux autres. Ouais, c'est vrai. Demain, après l'enterrement de son père, je lui dirai la vérité. Allez, à plus tard. Y a quelqu'un ? Non mais dans quoi tu t'es fourré ? Antonio ? Antonio, mon fils, dans quoi tu t'es embarqué ? J'étais si inquiète ! Tout va bien, je travaillais. Mais pourquoi t'es réveillé à cette heure-là ? Tu dois aller dormir, il faut que tu te reposes. Oh, mon fils. Alors, Julia, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant ? Oh. Hey, mon chéri ! Mon bébé, tu es revenu ! Mon chéri, j'étais folle d'inquiétude, où étais-tu ? C'est quoi ça ? Hein ? Qui t'a frappé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Hein ? C'est rien, maman. Tu vas te mettre au combat comme l'autre ? Tu vas te mettre à la boxe ? Non, je me suis pas battu. Je suis tombé. La seule chose qui devrait t'inquiéter, c'est ce qui arrive aux imposteurs. Hé, abruti ! Tais-toi ! Laisse-le tranquille, arrête de le gronder ! Et toi, tu vas le défendre ! Oui ! Arrête, Antonio ! Espèce de corrompu ! T'es rien qu'un arnaqueur ! Antonio ! Antonio ! Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Pourquoi vous vous disputez ? C'est rien, maman. T'as encore fait partir le petit ? Non, maman, il va revenir. Je vais t'expliquer, viens, on va parler. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? S'il te plaît. T'as fait partir ton frère. Il va bientôt revenir, maman, repose-toi. Tu peux pas te mettre dans cet état. Pourquoi vous vous êtes battu ? C'est rien de grave. Allez, viens te coucher. Legata, il faut quand même que t'essaies de comprendre la situation de Palenque. Il a des problèmes, tu sais ce que c'est avec la famille. Famille ou pas, y a pas de différence. Ici, on a tous une famille et autant de problèmes. Et pourtant, on est tous là à travailler, sans gâcher la vie de personne. Et chaque action a une conséquence, et lui, il s'est foiré. Entrez. Bonsoir. Gonzalito, mon ami. Quel plaisir de te voir. Mais il fallait pas te déranger pour cette occasion. Orozco. Moi, je pense que si, Legata. Parce que là maintenant, toi et moi, on se connaît pas. Il n'y a pas de Gonzalito. Là, tout de suite, je suis Gonzalo Orcasita, délégué officiel de la Fédération Colombienne de Boxe. Tu entends ? Et on doit parler. Dis donc. Très bien. Faites-moi plaisir, monsieur le délégué. Asseyez-vous.
Hey, Miranda. Salut, chef. Comment ça va? Bien? Ça va, ça va. Bon. C'est quoi cette lettre? C'est pour moi? Aucune idée, chef. Cher Cristobal, vous devez savoir que... Mais c'est une bombe ce que je lis là. Une bombe. Qui a porté la lettre? Tu sais pas? Je ne sais pas, non. Clémencia! C'est Maria Luisa, chef. Elle s'appelle Maria Luisa? Oui, c'est ça. Maria Luisa! Quelqu'un sait qui m'a apporté cette lettre? Attends un peu, Legata. Quand est-ce que tu t'es mis dans cette situation? À ton avis, Gonzalo, je m'y suis mis au moment où ça arrivait. J'étais venu à la salle voir le combat, comme tout le monde. Allez, mon frère. Je suis quelqu'un qui a construit une carrière. Une carrière qui est sérieuse, dans la boxe carthaginoise. De ce gymnase sont sortis de grands boxeurs, très doués, un vrai jackpot. Des gens très célèbres. C'est pas vrai, Gonzalo, tu me surprends. Regarde. Regarde, ça va faire 20 ans que je suis dans la boxe. Quand même, regarde ce que tous ces trophées te disent. C'est un travail d'acharné que j'ai fait avec tous ces gosses. Pendant 20 ans, tu m'entends? Et toi, tu vas détruire ma carrière. À cause d'un petit boxeur palenqué, cet imbécile. Tu veux dire que Cervantes Reyes est de Palenque? Écoute, je sais pas. De toute façon, en quoi c'est important de savoir d'où il vient, cette espèce de mort de faim, là. Ouais. Je vais te dire un truc, Degata. Cervantes doit être important pour toi. Parce que nous, on peut annuler ton affiliation à la Fédération. Et dans ce cas-là, tu vas vite oublier tous tes petits combats, t'entends? Non, écoute, Legata, je peux utiliser cette situation. Tout cet espace, je peux l'utiliser pour n'importe quoi. Pour des cours de danse, des fêtes, n'importe quoi. Mais pas pour la boxe. Mais bon, pour l'instant, on doit enquêter sur cette affaire. Mais là, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Va dire à Cervantes que sa licence de boxeur est révoquée. Indéfiniment, tu m'entends? Allez, Gonzalo, ne sois pas comme ça, mon frère. Le truc, Don Pancras, c'est que cette vache de voleuse n'oubliera pas Portillo. Eh, mon frère, pour moi, tu as raison. À mon avis, Cachao, c'est Antonio de Palenque, il est toujours dans le coin. Espérons qu'il s'est pas sauvé, parce que je le savais, je l'ai dit déjà à tout le monde. Ce gars est un imposteur. Eh, imposture et tout ça, mais... À ce prix-là, même moi, je pourrais te refaire le portrait. Comment ça, Don Pancras? Vous comptez me frapper, c'est ça? Mince, c'est que ce type se refuse rien avec moi, hein? Bip-bip-bap. Comment ça va, mon frère? Écoutez, je sais que personne ne veut me voir ici, mais je suis juste venu demander si tu savais où était le patron. Tire-toi d'ici, Cervantes! Legata peut plus te voir en peinture! Je sais tout ça, t'as pas besoin de me le dire, d'accord? Mais je voulais savoir si tu pouvais me dépanner un peu d'argent, je suis fauché, mon pote. T'es gonflé, mon frère! Tu sais pas perdre ou quoi? Si tu veux me frapper, frappe-moi, vas-y! Mais au moins aide-moi! Je sais que je sortirai pas vivant de cette histoire! T'en sors pas vivant? T'en sors pas vivant? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Que c'est encore un de tes foutus combats de rue? Eh bien, tu t'en es bien mal sorti! Ils ont annulé ta licence! Ils l'ont annulé, espèce d'imbécile! Tu sais quoi? Va te trouver un autre métier! Moi, j'ai pas plus de temps à perdre avec toi! Peu importe comment on s'arrange, mais je compte pas perdre mon argent. Écoute, écoute, calme-toi, mon frère. Je t'ai dit, le type m'a donné un coup et je suis tombé. Tu crois que c'est la première fois que je te vois te battre? Génère, t'es un débile! Bon, ça suffit, arrête avec cette histoire! Y'en a marre maintenant de tes geignements, Casimiro! Oui, y'a eu magouille! Et c'est pour ça que Chico s'est couché! Je savais que quelque chose clochait, ça sentait mauvais! Sauf que maintenant t'es dans la combine avec nous!
Alors je vais te raconter tout ce qui se passe, ok? Mais pour l'instant, célébrons. L'argent, c'est de l'argent. Peu importe d'où il vient. Bonjour, messieurs.